Bonsoir, bonsoir à toi mademoiselle Kui sur Twitch et sur YouTube, comment vas-tu ce soir? Bonsoir à tous, bienvenue pour cette... Je vais pas dire avant-dernière parce que je sais pas en fait, mais pour... on s'approche de la fin, pour cette, on s'approche de la fin, partie d'Assassin's Creed. Allez bien. Donc voilà, je vais... Aujourd'hui je lance très rapidement. Je vais sauter. Je vais sauter le pape. Je vais sauter au plus vite sur les quêtes. Il a l'air tellement content, Bayek. J'adore son épée avec le petit crochet. Comme ça, quand tu la mets, tu la ressors, ça enlève les tripes. Cléopâtre, un nom grec, signifie gloire de sa patrie. C'est sympa de savoir ça. Les égyptiennes à l'époque ils avaient pas mal de trucs. Bonsoir à toi petit Xiox, comment vas-tu ce soir? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Comment est ton nouveau PC? Tu t'amuses bien? Tu t'amuses avec tes jeux? La dynastie Ptolémaïque qui a régné 332, je ne sais pas quoi. J'ai pas eu le temps de lire, ça s'est enlevé. De salaud. Récompense du club déverrouillé, une bourse d'initié. Mais merci le club. Eh ben ça va très bien, ça va très bien. Eh oui, ça fait longtemps. Que deviens-tu? Alors, c'est quoi ton PC? Si tu sais à peu près ce que c'est, bien sûr. Configuration et tout le tralala quoi. Je vous ai dit juste avant, je voulais faire. Non, bah non, c'est ici. Donc, du coup, je vais faire cette quête là. Ouah, j'ai eu 500 drachmé. Pourquoi tu te plains? Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. Putain, il y a toujours ce bug. Mais bon, quand même. Ah ouais, d'accord. Ouais, je comprends. Ça va, t'as la carte graphique qui rattrape un peu. Ça va encore. Mais Jack, j'ai besoin de ton aide. Des clients se sont plaints parce que des animaux les empêchaient de venir jusqu'ici. Un guerrier comme toi devrait facilement venir à bout de quelques bêtes, non? Ouais, ouais, je vais les violer, tes bêtes. Ah, mais du coup, c'est... Enfin... En fait, c'est le processeur, c'est... Pourquoi il y a Ne te sens pas. Un si petit professeur sur une config comme ça, quoi. Ouais, le processeur changer, c'est dur. C'est ce qu'il y a de plus dur à changer. Ah, si c'est ta sœur, du coup, c'est gentil. Ça reste gentil. Le processeur, c'est que si tu t'y connais pas et tout. Parce que faut mettre la pâte thermique, faut décoller l'ancienne pâte thermique, et tout et tout. Le gros bordel quoi. Après, s'il y a un ventilo collé au processeur, faut bien faire attention que la puissance du ventilo. Est bonne et tout. Enfin, les processeurs c'est casse-couille. Hein.
Si je tue encore des hippopos, je pète un câble. J'en ai marre des hippopos là. Mec, c'est des vénères de la vie. Et bonsoir à toi, mon petit Fumikage-san. Oh non, qui est crocodile. Moi, j'ai niqué ton sort. Ma flèche, elle est passée à travers. Ah non. Comment vas-tu, mon petit Fumi? Ah ça y est, il est à peine arrivé, il est déjà parti manger. Mais bon, après, toi, tu commences comme ça, après tu le fais évoluer, ça peut te faire un bon PC. Hein. T'as déjà la bonne config quand même. Hein. Elle est pas trop dégueulasse non plus, quoi. Ah mais t'es sérieux toi? Enfin je me demande comment je peux louper des flèches comme ça. Ah c'est sûr, ça change la vie hein. Quand tu passes d'un PC un peu merdique à ça. J'adore les emmerder. Il est un popo. Avec un i3 ça passe, mais toi de ton côté tu dois, ça va jouer sur ta qualité de jeu et tout. Mais bon, t'as une GTX, donc si tu utilises OBS, tu passes par ta carte graphique, tu passes le stream par ta carte graphique, et du coup tu n'as pas besoin de passer par ton processeur. Ah c'est vrai, c'est la queue qui fait mal et moi je vais dans sa queue. Du coup quand tu passes par la carte graphique, ça te libère le champ libre pour ton processeur. Mais après là ouais, si tu veux je t'expliquerai ça, il y a pas de souci. Après normalement avec 16 gigas et une GTX Mais non, mais me casse pas les ouïes quoi. Normalement avec une GTX et 16 gigas ça passe. D'ailleurs c'est une combien ta GTX en mémoire? Une 2 gigas, 3 gigas, 512 MO. Oh. 3 gigas. Ouais, tu peux déjà faire pas mal de trucs. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que sur ton jeu, tu peux avoir des latences. C'était lui qui avait jeté cette malédiction sur ma fils. Que le plus grand maître des artisans veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui avait jeté cette malédiction sur la vie. Les morts n'ont plus besoin d'armes. Alors vas-y, prends la sienne. Commande spéciale dont tu sauras faire bon usage. Oh, un bouclier, il manque un bouclier en plus. Oh, merci mon petit Reda. C'est ce qui me manquait avant de commencer là. Future quête. Oh, c'est bon ça.
Oh, je peux faire ma lame d'assassin. Presque tout légendaire. Du coup. Je voulais voir un truc, moi. Je vois si j'en trouve pas dans le coin. Ouais, et puis c'était un PC amélioré, tu sais, c'est toujours aussi bien qu'un PC que tu viens d'acheter. Hein. Bien amélioré, si tu gères bien la chose. Après là déjà ton PC va faire tourner de gros jeux déjà donc bon des jeux avec beaucoup de tu sais des jeux comme PUBG trucs comme ça tu vas avoir du mal quoi à faire tourner des jeux comme ça parce que le processeur t'as besoin du processeur quand même pour faire tourner le jeu. Après des jeux comme Overwatch ou un truc comme ça, les jeux que tu joues déjà là, ça passe. Hein. Je suis prêt à parler de mon rêve. Entendu, libérateur. Mais auparavant, tu dois m'aider. Comment ? J'ai des visions de danger. Un nuage sombre, là. Bon, après, Destiny 2, un aventurier, une amante, c'est pas The Jeu aussi. Et un mendiant sont en danger. Qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Donne à chacun une amulette qui les protégera des ténèbres. L'un, tu trouveras près du Grand Temple. L'autre, dans le quartier Est. Et le dernier, dans les tunnels qui sont en dessous. Je t'attendrai sur les quais, près du bassin du Grand Temps. Oh, tu fais chier, toi. Pourquoi j'ai pris cette quête, moi, en fait ? Là. Jamais on me voit ici. Sérieux, il y a des ennemis ici. Une blague. Tu connais le clairvoyant ? Il m'a aidé. Loué soient les dieux. Tu es prêt à te battre, Medjay ? Attends, il y a un trésor apparemment, quoi. Toi, tu vas crever. En fait, le problème avec PUBG, c'est qu'il est très mal optimisé, donc du coup, vu qu'il est mal optimisé, enfin, les configurations sont un peu faussées, en fait. C'est le problème. C'est réglé. Je suis libre. Je peux te parler, faut que je fasse un truc, toi.
Ouais, apparemment ils me suivent, qu'ils me suivent alors. Pas pourquoi ils me suivent, mais bon. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il me suit. De l'allié faible. Ah ouais, mais la cam suivre aussi. Ah, il y a un fil à quai à côté. Il y a un petit trou aussi. Et là. Merci, c'est nous de m'aider. Les tunnels dont a parlé le clairvoyant. Je suis sur la bonne voie. Ouais, c'est parce que t'as dû avoir une mise à jour, la mise à jour des du BIOS en même temps. Ouais. Avec ce qui se passe en ce moment, tu m'étonnes. Pas, t'es nul. Oh merde. Romain, je m'amuse à les brûler aussi. Je sais, c'est pas digne d'un assassin. Mais... Ah, des serpents. C'est pas grave, prends la minute. Puisse cette amulette veiller sur ton cas. Attends mec, tu t'es fait bouffer par des serpents, hein. C'est ça, j'ai rien. Les serpents en jeu, c'est des grosses enflures. Clairement. C'est vrai quand il y a un filaquet. Filaquet de taille.
Ah, ça dépend ce que, à quoi tu veux jouer, toi. Je peux pas te dire à ta place. Si tu veux vraiment tester ton PC, il faut un gros jeu. Mais bon, après, si tu veux vraiment un beau jeu, prends-toi The Witcher 3. Au moins, là, t'es sûr que tu vas te faire plaisir. Le style de jeu que t'aimes, mais bon. En ce cas, qu'est-ce que tu attends? J'aimerais dire que je suis capable de marcher, mais ce serait mentir. Oublie ton orgueil. Je vais te porter. Je la dépose où? Inutile de suivre le nef. Eh, bouffe Fumikage-san sur YouTube, tu m'as fait peur, mais que fais-tu? Surtout, que fais-tu sur YouTube? Je n'ai rien à t'offrir en dehors de mes remerciements. Tu trouverais ma récompense ailleurs. Le clairvoyant t'envoie cette amulette. Ses visions lui disent que tu as besoin de protection. Pourquoi? Ah ouais, en plus Black Flag était gratuit, si tu l'as encore. Voilà, ça me libérera de mes devoirs. Bien, j'imagine que ça plaira à ma mère de me voir la porter. Arrête de parler comme ça, sale gosse. Hâte de faire ça, abruti. Le noble héros de Ptah a entamé son dernier voyage. On est où l'autre? Ah, toi, viens là. Ah, mais... Tu ne m'échapperas pas. Te voilà. Voilà. Ça, c'est réglé. Ah ouais, mais j'en ai pas fait exprès, hein.
c'est propre ça. Tu vas devenir une star, mon petit Fumi. Tu vas devenir une star. L'autre l'est perdu. Je sais pas où qui s'est cassé. Tu m'étonnes, ça fait plaisir. Mais il est parti où? Mais il est con ce mec. Arrête un peu. Ouais mais non, mais l'autre il me met des flèches. Ah fuck. Enflure. C'est bon? J'ai calmé là ou... Il est parti l'autre l'abruti. Voilà, casse-toi. C'est bon, il n'y a plus personne. Allez, je suis... Terminé. Voilà, putain, mais calme-toi, toi. Dégagez le passage, aligne-toi sur moi. Ils sont combien? C'est bon, ils sont morts. Viens ici, mec. Ouah, mais la galère. J'avais plutôt intérêt. Il m'était tombé dessus par surprise. Le clairvoyant t'offre cette amulette pour te protéger des dangers. Cette bière ne nourrira pas mes enfants. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Espérons que la fortune te sourira. Pardonne-moi, j'ai mal réagi. Tu as risqué ta vie pour me venir en aide. Et moi, tant que je suis en vie... Je peux protéger ma famille. J'ai remis les trois amulettes. Je peux retourner chez le clairvoyant. Allez, go. Go chez le clairopticien. Le clairvoyant. Oh, ils sont en train de le buter maintenant, c'est bien ça. Ils ont attendu que je parte en fait. J'avais pas confiance en lui, il était tout seul comme ça. Pas normal.
maître des artisans, veuille bien me pardonner. J'étais certain que c'était lui qui avait jeté. As-tu remis les amulettes? Oui, c'est fait, moi, maître. Mais l'une d'elles est arrivée trop tard. Laquelle? Celle de l'aventurier. Il a connu une triste fin, une morsure de serpent. Triste nouvelle. Cependant, tu t'es acquitté de ta dette. Il existe une île sacrée, plus loin sur le fleuve mer. Conduis-moi là-bas, et je lèverai le rideau qui s'obstine à voiler tes cauchemars. Viens, libérateur. Dis-moi ce que tu as vu. J'ai vu. J'ai vu ce qui hante mon esprit chaque nuit depuis un an. On commence par une tempête de sable. On me lève, on franchit un couloir de ruines, je traverse la salle du jugement. Là, mon double dépose un cœur en pierre. Tiens, recommençons. Là. Oh, elle va se calmer, crocodile. Allez, crocodile. De quoi parlons-nous ? Là, mon double dépose un cœur en pierre noire sur la balance de Maat. C'est alors que le dieu serpent attaque Apep, plus grand qu'une montagne, plus vaste que la raison. Un arc fait de lumière apparaît dans mes mains. J'arrive. Hop là. Libérateur, aimerais-tu être soulagé de ce qui tourmente ton sommeil? Il existe un rite qui le chassera à jamais de ton esprit. Oui. Alors vas-y. Plonge sous les eaux au sud d'ici. Et remonte la statue de Khnoum du temple englouti de Ramsès. Grâce à cette représentation du grand potier, nous pourrons accomplir le rite. Ok. Ouais, je prends le bateau, hein. Il y a plein de popos là-bas. J'étais l'autre fois, ils m'ont agressé comme je sais pas quoi. Ils ont cru que j'avais du pain ou je sais pas, ils m'ont bouffé, je les ai même pas touchés. Ah, en plus, ouais, c'était des crocos de la mort, des popos de la mort. On rappelle. C'est pour ça que j'avais esquivé le truc. Il est mort. Très rassurant, hein. Non, je te connais pas, t'es pas mon pote, alors tu te calmes, hein. Il se fait agresser, le pauvre. Allez, casse-toi. Bon. Oh, il y en a un autre. Mais pourquoi tu restes dans ses pattes? Il est con, aussi. Voilà la statue. Khnoum, sculpteur des enfants. Il combattra Apep à ta place. Ce rite réclame la force de ton esprit. Assieds-toi près de moi et efforce-toi de méditer. Je dois m'adresser au dieu. En
grandis, ô lueur. Ah. Oui, oui, oui. Monte, ô lueur, élève-toi, ô lueur. Toi qui en es dépourvu, viens, ô ténèbres. Retirez-vous de ses yeux. Ô dieu de la vue, apporte-lui la lumière. Voyant est parti. Comment a-t-il pu quitter l'île? Voilà, terminé. Alors du coup, dans un premier temps, je voulais aller là, et après je vais faire ma quête. Je vais continuer. Je vais continuer tout ça. Alors, c'est où ça? C'est où? C'est là, putain, il y a un fil là. Ni Kenny, c'est Jerry, hein? Tu vois, c'est cassé. Cet endroit est très bien gardé. Hop là. Un forgeron. Voilà. Bonjour mon ami. Déjà ravitaillé. Viens. Il fera de l'argent. Vendre tout ce qui est inutile. Améliorer. Non, si on peut améliorer. On peut faire que ça en amélioration. Ouais. Pensez pouvoir faire plus de trucs. Parce que le reste, je m'en fous en fait. C'est toujours appelé. Bon, c'est pas grave. Alors, 57, on va hop. Hop, ça j'enlève. J'ai que ça quand même. Ok. Un arc, j'en ai pas mal. Non, j'ai tout vendu déjà. Ok. Alors, principal, on y va. Navigation en mer. Je crois que c'est Alexandrie l'histoire. Ah non, même pas, je croyais. Wouah, putain, c'est loin. C'est au Fayoum carrément, putain. Du coup, je suis pas allé à Memphis. Je suis déjà à Memphis, je suis con. Putain. Faut...
Ça, c'est aussi loin que ça. Hop, tu vas suivre la route, tu vas rejoindre le marqueur. Quand t'as pas plus loin comme mission, quoi. Toi de partir, tu me gênes là. Espèce de guignol. Je vais y aller moi-même parce qu'ils font toujours des chemins chelous. Il y a peut-être une raison qu'il ait pris ce chemin, non? S'il y a de la fourrure et tout, je vais en avoir là. Fait attaquer par des enflures. Cours, ça l'aide. C'est bon. M'agresser, je te connais pas, je suis pas ton pote. M'en fous, ça me fait de la peau. Je crois qu'il a faim. Tu peux pas monter là-haut? C'est trop complexe. Ouais, tu vas pas remonter là. Nickel. Allez, monte. J'ai eu plein de nouvelles quêtes, je crois. Le secret des pyramides, apparemment.
est-ce que mademoiselle serait tentée de voir une vraie pyramide? Une vraie mission de pyramide. Vas-y, on va tester ça alors. Une vraie de vraie. On va voir ce que ça donne. On va voir si c'est de la vraie pyramide ou de la, du vrai tombeau ou si c'est un truc nul. Bonsoir à toi mon petit barjo. J'avais compris, tu paries sur des crocodiles. Comment vas-tu petit barjo? Moi je sens le petit truc de merde aussi hein, perso. Ah, les serpents, ils sont chiants en plus. Super pour te des vautours. Quel rapport, hein? Merde. Oh, il était magnifique. Ah, ça va très bien, ça va très bien. Alors comment s'est passé ton live hier soir? Putain, il y avait un sacré truc ici, un dinosaure quoi. J'ai l'impression que ça me ramène à la ville, quoi. C'est une blague. Le secret des premières pyramides, ça me ramène à la ville. Putain, fait chier. Ah ouais, t'as fait un sacré live. Motivé, quoi. J'espère que t'as pas coupé du bois jusqu'à 4h du mat par contre. Ah, il était motivé, t'as vu ça? En fait, le coup du bébé qui dort pas, c'est pour jouer plus tardivement. T'es grillé, t'es grillé. Pourquoi ils sont à 900 mètres maintenant? C'est quoi ce bordel? Ça allait plus vite, non? Ils étaient avec un même fils, après ils sont là. Ouais, tu voulais juste jouer à vous, c'était le week-end, t'es allé jouer. Ah bah non, on était jeudi. Complètement à la masse, le gâteau.
Ah bah désolé, j'ai pas compris, il m'envoie à Memphis et après il m'envoie à la pyramide. Et les mecs, ils ont pas compris leur jeu. Non mais oh. Porter plein fat à fond Mekage-san, hein. Il va le dire à Ubisoft. Hein. Ben. Qu'est-ce que c'est armé là? Ah, j'y suis là normalement. Voilà. Ah, mais les mecs en fait c'est des tapettes et ils fuient. Ça, faut jamais l'air. Putain, ils sont motivés, les gars, quoi. Putain, je poursuis des chiens ou comment ça se passe? Viens là toi. Oh j'ai fait un one shot. Refais chier hein. Voilà tu me dis des quoi sur les secrets. Ah y'a encore du monde qui m'attaque. Ah bon. On peut bien savoir d'où alors. Ah bon. Qu'est-ce que je disais? Tu as été extraordinaire. Je te félicite. Oui, je disais que tu devais. Kition ou le petit Héraclide. Ils ont cru que je ne m'en sortirais pas tout seul. Mais on leur a montré qu'il se trompait. J'ai dit qu'il fallait que tu te plaignes à Ubisoft. Pourquoi le jeu était buggé. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu veux rire, Neb? Nous cherchons la crypte perdue du grand roi Snefru. Mais elle est là-bas la crypte, t'es con quoi. De l'âge d'or de l'ancien empire. Et comment tu comptes t'y prendre? Non, mais dis-moi, ils ne t'ont rien dit avant de t'envoyer me chercher? Rafraîchis ma mémoire. Selon mes dernières recherches, Snefru a dissimulé 3 artefacts dans ses pyramides. L'un à Medum, dans sa première pyramide qu'il a mal construite, un autre dans la pyramide rhomboïdale, dont il a dû modifier la conception après l'effondrement de Medum. Et un dans le chef-d'œuvre final, son tombeau. La pyramide brillante. J'ai l'un de ces artefacts. Mais ces crapules de bandits m'en ont volé un autre. Il faut que tu le leur reprennes. Et où sont-ils? Ils campent sur les hauteurs à l'ouest de Memphis. Pour les trouver, il suffit de suivre le ruisseau. Tu vas aussi devoir réussir à entrer dans la pyramide brillante pour récupérer le dernier artefact. Ah, en fait, c'est une suite de quêtes pour ça. Il y a une ouverture en haut. Mais l'ascension est ardue. Dans ma jeunesse, j'y serais parvenu, mais... J'irai voir. Il y avait combien de bandits? Je crois qu'ils étaient tous là. Il y avait combien de bandits? Ah bah je crois qu'ils étaient tous là. Ouais, non, c'est pas une réponse. Si les bandits de tout à l'heure, ceux qui m'ont poursuivi, ils étaient une vingtaine. Ça va être cool ça.
ne pas attirer l'attention ici. Je reprends des flèches alors. Ah, je peux vous assassiner d'ici. Mais que... Comment je pourrais me faire plaisir tout attaquer, mais non. Il y a quelque chose ici. Tout près. T'aurais pas dû venir ici. Ouais, calme-toi, Eo. Tu mets un cadeau. C'est sûrement l'artefact que les bandits ont volé à Merkès. Très étrange. Bon allez, let's go la pyramide ou comment ça se passe? Ouais, faut que j'aille dans la pyramide. Arrête de grogner, toi. Non, je te ramène à la maison. Ah merde, c'était pas le mien. C'est pas grave. C'est pareil. C'est ce tombeau-là, je pense. Voyons ce que ça vaut. Un trésor là, mais on sait pas pourquoi. L'entrée est là, d'accord. J'arrive pas à le prendre. D'accord, je vais te cacher. Le vilain. Là on cherche l'entrée mon petit drodro. Voyons ce que ça vaut ces petits tombeaux. Allez hop, c'est parti. Voyons ce que ça cache. Un vrai de vrai maintenant. Thank you.
c'est pas des araignées? N'importe quoi, toi. C'est des cafards. Des scarabées, plutôt, des cafards. Des scarabées? Je peux lâcher, mec. Hein. Je sais pas si c'est de l'eau, mais je préfère pas sauter dedans. Ah, l'étoile d'araignée, bah ouais, mais tu mets un coup de feu, ça disparaît. Je peux porter des choses, c'est bizarre que je puisse porter des choses ici. D'ailleurs, des vraies énigmes. Waouh. Mon Dieu, des énigmes. Il y a du silice ici. Si ça change grand chose d'avoir fait ça, mais... Je vais mettre le feu. Permet de monter ça, je pense. Partout. Doucement, doucement, doucement. Oh, un trésor déjà. Du silice encore. D'autres choses dans le coin. Là-haut. Non. Ok, on descend. Ça c'est fait. Ah, il y a une lampe. J'allume tout moi. Silice. Bon, c'est ça, ça faut que je les porte. Ça a l'air lourd en plus, hein. Je pense que voilà. Ah non. Ah, c'est parce que je suis accroupi aussi, c'est pour ça. Ah, dès que je monte dessus, il galère quoi. Thank you.
Mais non. Mais non, faut que je le lance, mais moi je le porte. Merde, juste à côté. Je l'ai foutu où le deuxième en fait? Au pire j'en ai de l'autre côté hein, ça ira plus vite. Hein. Pas ça. Toujours trop lourd. Oh, je déteste quand ça fait ça. Je vais en mettre 4. Au pire, je vais tous les ramener. Sûr, mademoiselle, elle adore ça. Ah oui, c'était ça. Salle de trésor. Cet artefact d'apparence quelconque doit avoir une valeur cachée. On l'est mis avec de tels trésors. Il est temps d'aller voir Merkès et découvrir l'usage de ces trois artefacts. Oh, du pâté premier prix, carrément. Vieilles écritures, l'ancien royaume. Après, c'est une petite là, je pense. Le problème c'est que il me manque un truc que j'ai pas découvert. Faudrait que je le trouve. Il me manque un silice. Que je trouve le dernier silice. Attends, j'ai rien, je crois, de l'autre côté. Non.
Ça va être l'après, du coup, je suppose. T'as le truc là. J'en avais un déjà là-haut. Ça va pas être là-haut. Ça me fait chier, je peux pas activer la. Un truc quoi. Normalement, il y a le même truc que l'autre. Que l'autre grotte. Mais il faut 5 silices pour l'activer. J'en ai que 4 là, je crois. Je vais regarder, mais. C'est où qu'on voit le silice. Non, j'en ai 9. Alors, du coup, ça devrait s'activer. Ah, ouais, mais les 5 premiers ont déjà été utilisés donc. On manque un. C'est pas grave, c'est pas grave. Après, c'est vrai qu'il a été simpliste comme comme pyramide. J'ai récupéré les deux autres artefacts. Ah, ça confirme mes hypothèses. Parlez. C'est ça! Les artefacts forment un dessin. Mais il en manque une partie. Impossible de les rendre. Sauf qu'il y a un passage dans l'Égyptica qui dit « La voie est libre sur la pointe brillante. » Et les inscriptions de cet artefact doivent faire référence au pyramidion du tombeau de Snéfrou, la pyramide brillante. Je suis sûr que la clé du mystère se trouve là-haut. Que dirais-tu d'aller y jeter un coup d'œil? Tu peux me dire ce que tu espères trouver? Les inestimables trésors de Snéfrou sont perdus depuis si longtemps. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Hey, je ne suis pas un pilleur de tombes. Non, non, non. Bien sûr que non. Je t'assure, tu as ma parole. Tu ne perturberas personne dans les champs de roseaux. Ouais. Vais grimper, je vais voir ce que je peux trouver. Les inestimables trésors de Snéfrou sont perdus depuis si longtemps. Oh, parce qu'il y a là-haut, hein. Ceux qui les révéleront à la lumière du jour seront considérés comme des héros. Ouais, non, 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 t'étais monté, abruti. Ah. Pas l'abruti, mec. Ouais, je sais, j'ai pris une photo. Le sommet du tombeau de Snéfrou. Avec des fentes assez étranges. Peut-être que si je... Ces trois artefacts s'insèrent parfaitement dans les fentes du pyramidion. C'est un dessin. D'ici, sur la pyramide brillante, cela semble pointer en direction de ces ruines à l'est.
C'est là qu'on trouvera la crypte. Bon, c'était juste ça l'énigme en fait. Après, il y a plusieurs pyramides, hein. Enfin, elle n'est pas finie. Alors, ne me fais pas languir, s'il te plaît. Tu as trouvé quelque chose ? Oui, bah oui, il est triste, le pauvre d'abat. Les éléments prennent place dans le pyramidion et forment un dessin complet. Tu es extraordinaire. Et dis-moi, est-ce que ça résout l'énigme des récits sur l'endroit où se trouve la crypte ? Je pense que ça désigne quelque chose à l'est. J'ai pu distinguer ce qui ressemble aux ruines d'un temple. Suis-moi, je vais nous conduire là-bas. Pas d'autres ennuis, d'accord ? Du coup, là, je pense que je vais aller dans... Écoutez, aucun risque. Dans un tombeau, là, encore, dans une crypte. Comment as-tu croisé le chemin de ces bandits ? Oh, j'avais fait appel à eux pour trouver les artefacts. Quoi ? Ils travaillaient pour toi ? Eh bien, leur chef, Belouche, prétendait connaître le désert mieux que quiconque. Je ne pensais pas qu'ils me trahiraient ainsi. Je ne pensais pas qu'ils étaient ce genre de bandits. Il n'existe qu'une sorte de bandits. Ils pillent et tuent pour de l'argent. Tu as raison. Ils paraissaient déterminés à faire les deux. Après m'avoir volé un artefact, ils voulaient me tuer pour avoir l'autre. Oh, tu vas finir par te faire tuer. On me l'a déjà dit. Nous y voilà. L'entrée est cachée, bien entendu. Bah oui. Allez, allez, pas de temps à perdre. Ces statues ont résisté au temps. Elles sont semblables à celles mentionnées dans les écrits de Manitou. C'est facile. Le sol semble meuble ici. Voyons ce qui se cache sous le sable. Paré, je me demande ce qu'on va trouver. Trouver du premier coup. Dernier obstacle dangereux. Oh, fait pour rentrer. Ah ouais, peut-être ça. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. J'ai oublié que j'avais un arc. Allez, bon, la suite. Après toi, nous sommes les premiers à entrer ici. Ou oh, attends, il y a des serpents là. Ce lieu est regorgé de trésors. Tu as fait exactement ce que je t'aurais dit si tu avais été moins rapide. T'as à te faire gaffe, sinon je vais me faire bouffer par les serpents. Je déteste les serpents. D'autres serpents. Ça alors, paré, c'est d'une beauté divine. Est-ce que tu vois la même chose que moi ? Cette salle a été parfaitement conservée. C'était rapide. Depuis le règne de Snéfou.
ici ? L'endroit ne contient que de vieux rouleaux. Il n'y a pas d'or. Quelle merveille ! Quel trésor historique ! Kition et Héraclide en resteront sans voix. Je vais être célèbre. Nous allons naître. Heureux d'avoir été utile. Dès que j'aurai catalogué une découverte, je les apporterai en chariot à la bibliothèque d'Alexandrie, où elles seront étudiées et conservées. Ah, et 4000 d'XP pour ça, ça vaut le coup. Un pyramidion parfaitement conservé. Une relique des dieux. Et l'origine de toute bonne chose. Les premiers rayons de Ré l'ont illuminé. Ils ont éclairé le vol de l'oiseau Bénou, qui a survolé les eaux de Noun. Bon bah je me casse mec, merci pour la... Tant de merveilles oubliées et perdues. Merci pour cette quête. Voilà, c'était terminé. Tout ça pour retrouver ça. J'espère que tu auras apprécié. Allez, on y go. On va dire c'était la première et tout, la vraie première. Après, vu que c'était une petite, tu vois. Oh, j'ai la flemme de vous attaquer. Merci pour la flèche dans le cul. Putain, il y a même des serpents dans le désert. Je viens juste de voir ça. C'est pas tip top ça par contre. Hein. Elle est vraiment pas à côté la quête. Le gnome d'Abtef Peyou. Et ça, ça pue du cul. Le barrage de Cléon. T'es pris un coup sur la tête ? Oh, niveau 31. Sale bête. Fait de pas y aller.
faire agresser par une hyène ou un lion de niveau 100. Je vais pleurer. Niveau tour, de niveau 100, non. Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour passer, mais bon. De rien, les décors sont plus beaux que... les décors dans les canyons sont plus beaux que ceux de PUBG hein. Moi j'ai ça, j'ai rien. Oh, déjà je vois ma destination finale. Ouais, mais même si c'est heureusement, heureusement. Je préfère le dire, toi. Pas très rassurant, ces endroits. J'ai eu peur, je croyais que c'était un homme crabe là-bas. Y'a un lion, y'a un lion. Les serpents à j'allais dire les serpents à clochette, les serpents à sonnette, ça me stresse. Ça me bouffait la jambe, rien comprendre. C'est pas très rassurant par ici, je sais pas pourquoi. Bon, c'est bon, il y a un pont. Je vais pas jouer avec le feu, je vais passer par le pont. Eh bah putain, c'était pas à côté hein. Ah, il vaut combien lui? Oh ça va. Je pensais qu'il serait plus haut niveau. Du coup j'ai un peu flippé, non en fait. Il y a des crocos partout ici hein. Ah, ça s'appelle Crocodilopolis, tu m'étonnes.
C'est ça, c'est une ville à crocodiles. Me gêne toi. Synchro doit se faire là-haut. Ouais. J'ai au moins la synchro comme ça au moins. J'ai un voyage à Crocodile Dundee. Eh ben c'était pas à côté hein. Connaissez-vous l'histoire du courageux capitaine Phoxidas? Le magnifique mercenaire grec qui à lui seul a vaincu des misérables Cabiniani lors d'un combat épique en haute mer? Tu as dit la déesse de Siwa. Tu te souviens de son nom? De quelle bataille tu parles? Tu ne le sais pas? Oh, mon ami, tu vas adorer mon récit! Écoute, voilà toute l'histoire. Selon la légende, le noble capitaine grec et la déesse égyptienne ont quitté la côte dorée d'Alexandrie à la recherche de la flotte redoutée des Gabiniani. À bord de leur robuste trirème, accompagnés de leur loyal équipage face aux navires de guerre des Gabiniani, des montagnes flottantes chargées de 10 000 hommes, bardées de rames pourvues de feu. Où sont ces chiens de Cabiniani? Mon informateur m'a assuré qu'il passerait ici. S'il m'a menti, je vais lui tordre son cou de poulet. Qui sont les Cabiniani? D'où viennent-ils? Des exilés de Rome qui se sont installés en Égypte. Des rats de la pire espèce. Avec la discipline de Rome et la dureté de Ptolémée. Des adversaires dignes de nous, en quelque sorte. Eh bien, il faut les arrêter avant qu'ils rallient la flotte de Ptolémée. Nous les trouverons, Aya. Et nous les coulerons. Pas un seul de ces rats de merde. Là-bas! C'est toute leur flotte? Bien sûr que non, femme. Tu peux être sûr qu'il n'y en a qu'une partie. Et pas la plus importante, on dirait. Que des trirèmes. Pas de traces de leur maudite octarène. Ça joue en notre faveur. On va pouvoir les combattre, l'un après l'autre. Ramez et préparez vos armes. À l'attaque! Pas de pitié! Ces démons n'en auront aucune pour nous. Ils ont une octarène. Le truc que je déteste. N'aie pas peur, Damastès. Ils ne nous connaissent pas encore.
Cette marque obèse ne lui sauvera pas. Ça va me galère ça, je vais détester. Oh, vas-y. Allez, plus vite. Accrochez-vous. La cadence. Allez, prenez-vous. Plus vite. Donnez-vous. Augmentez la cadence. On tire. Plus vite, mes frères. Souquet. Allure de rap. Voilà, deux droits. Plus salut. Plus vite. Il reste encore une à offrir à Poséidon. Essayez. Accrochez-vous. Allure de rap. Allez. On tire. On tire. Il nous brûle. Voilà. Les Gabignani étaient chers. Leurs imposants navires reposaient pour toujours dans les bras visqueux de Poséidon. Seuls, malgré la fureur du vent et l'hostilité de la mer, je pleurais contre le triomphé. Toi, tu exagères. On voit que tu n'as jamais combattu. Ne me mets pas en doute. Je tiens ça de quelqu'un qui l'a vu de ses yeux. Capitaine, on les a eus. Les Gabignani sont finis. Ne t'avance pas, mon garçon. Mes espions m'avaient annoncé un plus grand nombre. Ils ont dû diviser leur flotte. On met le cap à l'est. Là, je sens que ça pue dans du coup. La gueule du crocodile, si des espions sont bien renseignés. Et alors, j'ai combattu des bêtes bien plus féroces. Et aucune n'a eu raison de notre capitaine. Oh, le bug. Il y a un bug de ouf en l'air. Comme surgit des profondeurs de l'abîme. Un second mur de coque est apparu. Cette fois, c'était 40 navires chargés de morts des Gabignani qui menaçaient nos héros solitaires. 40 ? Puis derrière la flotte se profilait un navire tel qu'on n'en avait jamais vu avant ni revu de fois. Il était gigantesque et à son bord, 10 000 guerriers frappèrent leurs boucliers de cuivre, de leur épée et de leur lance. C'était la plus grande flotte ayant jamais navigué en Méditerranée. Silence ! Plus un son. Et soudain, 100 boules de feu ont jailli des navires des Gabignani. Mais non, mais les Kraken. Foxidas et de son équipage. Les Kraken, il n'y en a pas. De terreur. Allez voir sortir du brouillard. J'ai l'impression de faire un cauchemar. Bah ! Ne te laisse pas éblouir par leur tour d'Amastès. C'est une ruse pour nous impressionner. Ça ne leur apporte rien. Et les flammes ! Leur feu est intense. Foxidas, une telle arme serait utile à notre cause. Je connais peut-être quelqu'un qui connaît. On va s'arranger, tu verras. On tire ! À la fin ! Restons en deçà de la portée de leur catapulte et tout ira bien. Allez, finissons-en ! Accrochez-vous à nous ! On nous tire de vue ! On va les détrôner ! Abritez-vous ! On nous tire de vue ! Allez, plus vite ! On tire ! Plus d'allure ! Plus vite ! Plus d'allure ! Allure de rame réduite ! On tire ! Oula. Comprenez-vous ? Ils ont montré un héroïsme spectaculaire. Ils se sont battus comme des dieux. Mais ils se sont battus en vain. Car d'autres navires sont apparus. Une vaste flotte de guerre en feu approche. Comme envoyé par Mars en personne. L'équipage, c'était... Ouah, mais c'est carnage là. Et les ordres tonitruants.
En garde, réprobateurs et insistants de la déesse. D'autres navires! Allez! Parades! Cette fois, ces chiens doivent être tous là! Là-bas! Par tous les dieux! Cette fois, c'est la bonne! Pour un rien! On gagne ou on meurt! Ah là là! Préparez-vous à virer! Aya! Damastès! Tadfélian, écoutez-moi! En écrivant le récit de cette journée, les scribes briseront leurs plumes! Ici, sous cet océan souillé de sang et de merde, nous enverrons ces maudits Gavignani aux enfers! Ils en pleureront toutes les larmes de leur corps! Les dieux eux-mêmes lèveront leur coupe à notre gloire! Assez, les larmes n'attirent pas l'attention des dieux! Ramez! Trop mal, hein. Ah, le bordel. En fait, j'avais surtout besoin de tuer le principal. Le reste, en fait, j'en ai rien à foutre. C'est ainsi que Phoxidas et la déesse sont entrés dans la légende. Après avoir noyé 2 fois, 5 fois, 10 fois, 10 000 Gabignani. Chaque fois que je raconte cette histoire, j'en pleure. Et l'on dit que si l'on murmure une prière dans le creux d'une vague ou sur le repli de la mer, on peut entendre retentir leurs cris de guerre. Ah là là ! Ah là là ! Voilà comment ça s'est passé, mot pour mot. Quel récit. La déesse s'appelait Aya. Et c'est vraiment une déesse. C'est peut-être la seule chose vraie dans cette histoire. Où est la vérité? Tout est permis au royaume de la grandeur. Il faut croire à la création, sous peine de rejoindre les Gabignani. Tu es un bon conteur, Séni. Mais je ne saurais dire si ton histoire est vraie ou si tu te moques de moi. Non, mais c'est la même chose, mon ami. Unis l'un à l'autre, comme la mer et la pluie. Ah là là! Tu le sais maintenant! Bon, ça c'est fait. Prochaine quête principale, de toute façon j'en ai plus qu'une principale. Putain, je suis à 2000 mètres, 2 km quoi. J'irai plus vite en bateau, non? Je traverse tout ça et j'y vais. Je prends un bateau à voile, j'y suis. Hein.
Bon, le vent, il faut que tu sois pour moi, parce que si tu souffles dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Ça va plus vite, non, quand même. Un petit bateau comme ça. Oh, il y a un hippopo. Salut, hippopo. Attends, attends, t'inquiète, marche. Normal. Je vais m'endormir. Voilà, je suis arrivé. Ça va plus vite en bateau quand même. Pas le premier visiteur aujourd'hui. La sécurité. Oh, t'es fraise ! Grâce à une présence militaire accrue dans tout le Fayoum, la vie est plus sûre pour chacun d'entre nous. Les taudis égyptiens sont rasés, reconstruits ou déplacés. J'arrive, je monte juste. Oh. Le sable. Voilà. Il n'y a pas de soucis, mon petit Fumikake-san. Je te dis à tout de suite. De toute façon, je vais bientôt finir le live. Je garderai la fin pour demain.
Égyptiens sont rasés, reconstruits ou déplacés. Les implantations grecques sont plus sûres. Beaucoup de dégâts, et pas de sang, ni de traces de lutte. Peut-être a-t-il pu fuir avant. Ces rouleaux ne m'apprennent rien d'utile. Je devrais aller voir là-haut. Oh, qui a pu faire une chose pareille? Qui protégeais-tu, mon ami? Ton putain de chien, quoi, normal. Une poupée d'enfant. Ah, je vais tuer ce nez qui est diadète de crocodile. Une nouvelle ère. Des rouleaux et de l'encre. Ah, rien qui m'apprenne où est passé au Tefres. Ah, des plumes. Un pigeon voyageur. La sécurité pour tous. Grâce à une présence militaire accrue dans tout le Fayoum, la vie est plus sûre pour chacun d'entre nous. Un pigeonnier. Message laissé par mon informateur. On dirait qu'il a pu fuir. Mais les soldats ont pris son serviteur. Si le serviteur est toujours en vie, il saura où est Otefres. Il doit être prisonnier au camp militaire voisin. T'inquiète, on va y défendre la Gaule. C'est grande partout, hein. Putain, j'ai pas de flèche, je fais chier. Ça, je vais casser le truc là-haut. Comme ça, ils nous font pas chier. Ouais, personne. Comme ça, personne donnera l'alerte. Bon, le capitaine doit être dans le coin. C'était sûr. Les trésors sont là. D'autres trous ducs. J'ai perdu toute ma vie, hein. J'étais caché. Ah, tu m'as pas vu, hein? Ça intéresse personne, ça prend feu.
Là. Comme ça, ça c'est fait. Pitié, je t'ai dit tout ce que je savais. Qui es-tu ? Ton sauveur. Ne bouge pas et tais-toi. Je vais te sortir d'ici. Y'a pas un bateau, ça ira plus vite. Pas grave, on s'éloigne du camp. Voilà. Les dieux te bénissent. C'est Otefres qui t'envoie ? Non, mais je dois le trouver. J'ai besoin de lui pour traquer le crocodile. Tu peux m'aider ? Tu tiens debout ? Oui. Otefres est sur le lac Moeris. Il convoie une grande statue qui porte notre marque. Le crocodile a engagé des mercenaires pour le retrouver. Alors je dois faire vite. Va te mettre à l'abri. Sois prudent. Oh, il y a trop de vent. Hein. Calmos, calmos. J'ai écrasé un flamand. Triste vie pour le flamand, quand même. Oh merde. J'ai carrément fait couler mon bateau. Désolé les gars, j'en ai vraiment pas fait exprès. Ah mon bateau il a coulé direct quoi. Alors, comme ça ils envoient un fils d'Égypte m'affronter. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas versé tant de sang. Je viens de la part d'Apollodorus. Nous avons un but commun. Qui es-tu? Et que me veux-tu, hein? Je suis Bayek de Siwa. Je cherche des informations sur le crocodile. Le fantôme qui a mis le Fayoum à genoux, qu'est-ce que tu lui veux? Il fait partie d'un groupe qui détruit l'Égypte. Je vais les traquer et les éliminer jusqu'au dernier. Bayek de Siwa, tu ne sais pas à qui tu te mesures. Le crocodile a transformé les terres, mais aussi les gens. Ceux qui ne tremblent pas de peur sont forcés à travailler pour lui. Et tu n'as aucune idée de qui est le crocodile? J'ai volé un registre à un magistrat grec que je soupçonne de corruption. Il devrait révéler l'identité de ce crocodile. Et si nous l'apportons à Apollodorus, nous pourrions faire tomber toute l'organisation. Où est ce registre? Ma femme Kenout l'a caché. Tant que les sbires de Ptolémée pensent que je l'ai, ma famille ne craint rien. C'est pour ça que je me déplace sans cesse. Tiens, ça prouvera à Kenout que tu es digne de confiance. C'est pour ma fille Shadia. Lorsque tu l'auras, retrouve-moi sur les quais au sud de Emeria. Ok, ok, on y va, on y va. Vamos. Bayek, inspecte mon bateau avant de partir. Je recense tous les problèmes de la région dont le crocodile est sans doute responsable. Ça pourrait t'intéresser.
Les poupées. À qui est dédié ce sanctuaire? Je prie et me recueille pour les victimes des incendies de Dionysia. Quelqu'un met le feu aux fermes. Toi, Medjay, tu peux arrêter ça. Je vais essayer de t'aider. Population de villages en... Qu'est-ce que tu fais? Un mystérieux fléau frappe les pauvres gens de Emeria. Leurs corps sont brûlés, leurs âmes damnées pour l'éternité. Ils n'iront jamais dans les champs de roseaux. Tout ça. J'essaie de leur trouver un remède. Il en existe toujours un. Je dois juste trouver la bonne combinaison. Brûler les morts? Pourquoi une telle folie? Hop. Les populations de villages entiers de Psenerys sont disparues. Au caravansérail, on parle d'une invasion de démons. Des démons. On n'est jamais vu. Mieux vaut aller vérifier ça. Il est où mon bateau du coup? Ouais mais non, c'est dans l'abus, j'aurais dû faire ça aussi. J'ai pas découvert. Pourquoi je ne découvre pas tous les lieux? Dans l'œil. Les âmes généreuses. Merci mec. Du coup je finis cette quête là et après je quitte le live et je reprendrai tout ça demain. Accueille maintenant des échoppes réservées aux Grecs. Ça me dit, c'est la montagne quand même. Oh, c'est en haut de la montagne. Oh, la flemme. Notre Fayoum, notre région, accueille maintenant des échoppes réservées aux Grecs. Je t'assure, ces Neket Kadet refusent de servir les Égyptiens. Il faut nettoyer cet endroit et le remettre en état au plus. Kenout? Oui. C'est Otefres qui m'envoie. Je suis là pour t'aider. Et j'ai la poupée de ta fille. Bien. J'attendais des nouvelles de mon homme. Je t'en remercie. Viens manger, nous avons à parler.
nouvelle poupée, Bayek. Je vais l'appeler Izette. Et maintenant, c'est elle qui va protéger tout le Fayoum. Trop bien, une poupée qui protège le Fayoum. J'ai plus de boulot à faire. Faut qu'elle fasse mes quêtes aussi. Depuis Côté Fraise s'est emparé de ce registre, le Fayoum est à cran. Des soldats armés de torches patrouillent toutes les nuits. Ce sont eux qui ont détruit cette cuisine qui doit nourrir les miséreux. Au moins, ils ne s'en prennent pas à Shadia ou à moi. Mon mari Otefres y a veillé. Où se trouve le registre? J'ai chargé notre plus fidèle serviteur de le cacher dans notre villa. Ils peuvent fouiller les lieux autant qu'ils le voudront. Ils ne le trouveront jamais. Tu peux m'y conduire? J'ai été convoqué au phare pour une autre de leurs enquêtes de routine. Ah, ça pourrait être dangereux. Les hommes de Ptolémée sont sans doute de mèche avec le crocodile. Ça arrive très souvent par ici. Ne t'en fais pas. Je suis sûr qu'ils n'oseront pas s'en prendre à quelqu'un qui porte un titre officiel. Shadia, montre à Bayek comment aller chez nous. Viens, oncle Bayek. Ah, oncle Bayek. On peut voir ma maison du haut de ce toit. Suis-moi. J'espère que tu n'as pas le vertige. Guide-moi, petite. Je te suivrai. Cours plus vite, par contre. Hein. Où t'as appris à grimper comme ça? Ça a l'air amusant. C'est ça sa maison. Tu viens souvent ici. Tout est si beau vu d'ici. Les gens y devraient être heureux, mais non. Ne t'en fais pas. Ton père et ta mère vont prendre soin d'eux. Où est ta maison? Sur la colline, là-bas. Tu la vois? Oui. Et je vois des soldats. Ah ben, il n'y en a pas qu'un, hein. Merci, Shadia. Tu devrais aller retrouver ta mère. Ça risque de devenir dangereux. Je vais devoir être prudent. Hop là, meurs. Ah mais monte, non, monte toi, oh, pas le con. Mort et tout. C'est chaud. Par les dieux. C'est Shadia qui l'a écrit. C'est elle qui a le registre. Et je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Faut que je trouve Kenout avant les soldats. Oh, Shadia. Qu'as-tu fait, petite? Tu n'es pas de taille à jouer avec le crocodile. Kenout, elle est ici. Les soldats sont venus et l'ont emmenée au phare. Avec Shadia. Kenout a plaidé sa cause, mais ils l'ont pas écouté.
C'est très inquiétant. C'était jamais arrivé auparavant. Va prévenir Otefres. Vite! Ah, Paramon! Kenout et Shadia sont au phare. Il faut que j'y aille tout de suite. Nek! Nek! J'ai l'impression qu'il dit Nek pour tout, Nek. Nek tout, Nek, Nook, Nak, Nook, Nek. Halte! Ne bouge plus! J'ai pas le temps. Ok, le phare, il est là. Qu'est-ce qu'on a fait? Par les dieux, qu'est-ce qu'on a fait? Calme-toi, frère. C'est le crocodile qui l'a fait. Pas toi, ni moi. C'est que... Pourquoi il me renvoie ici encore? On s'en fout. Attends un peu de terre, mais là, toi! Halte! Je vais t'étriper. Je ne peux pas m'écarter. Oh, j'aime pas eux. Voilà. Quand même pris cher. Je crois qu'elle est morte, la fille. Alors, ton équipe a gagné ? Enfin, ton équipe.
Tu vois ce que je veux dire? C'est triste quand même. C'est super super triste. Ah, comment ils ont coupé, c'était super badant, ils coupent comme ça quoi. Ils mettent un chargement. C'est good ça. C'est good news. Vive la France. Tout est fini. Le crocodile a gagné. Le registre est perdu. Ma fille. Ma Shadia. Ce monstre nous a tout pris. Il va payer pour ça. Lui et tous ceux qui le servent. Ça ne nous ramènera pas Shadia. Non. Mais au moins, on aura la consolation de la vengeance. On l'aura tous les deux. J'espère. Je ferai tout ce que je pourrai pour t'y aider, frère. Et nous, t'as pu t'apprendre quelque chose? Seulement que les soldats étaient avec d'autres hommes. Des guerriers, de grande taille. L'un d'eux était roux. Des bandits? Des soldats? Je crois que c'était des gladiateurs. De l'arène de Crocodilopolis. Apparemment, ce monstre aime faire appel à des combattants. Je vais le trouver, ce monstre, mon ami. Et il mourra. Ah bah ça serait cool ça pour toi. Ça sera un bon truc hein. Un sacré bon truc. Croise les doigts pour toi. Voilà. Je vais juste faire quelques petits trucs. Toi, j'en ai des boucliers. Critique, hémorragie atteinte, trop de coups critiques. J'hésite, on verra après. C'est laquelle que j'utilise comme arme? Celui-là, je l'utilise jamais. Bon, tu me diras, tous les inventaires, ça ressemble maintenant. T'as l'impression que tout le monde fait les mêmes couleurs. Thank you.
Hop là. Putain, Madame Secrète est... Elle est presque à fond, quoi. Normal. Hades, j'aime bien le nom. 440. Oh putain, il est plus puissant. Ah non, merde, je me suis trompé. Voilà, c'est pas ça. 440. Ouais, je m'en fous qu'il soit légendaire ou pas. Voilà, voilà, voilà. Bon, voilà. Donc demain, je continuerai les quelques quêtes finales. J'avoue, c'est trop ça. C'est trop ça. Du coup, demain, je finirai les quelques quêtes finales qui me restent à faire. Du coup, non, normalement, il m'en reste 5 ou 6. Même pas, non. Donc, du coup, je... il m'en restait 9, j'en ai fait que 2. Donc, il m'en reste 7, du coup. Bah, 7 petites quêtes finales à faire. J'aurais fini l'histoire complète du jeu. En fait, tout se rejoint, c'est beau. Ok, bah après, la carte est immense hein, quand même. Y'a rien à dire. Elle reste petite par rapport à The Witcher, un truc comme ça. Mais elle est immense. Enfin, bref. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous, une très bonne soirée, un très bon week-end. Bah, très bon week-end. Je vous dis à demain, c'est pas. C'est pas non plus la mort. Mais bon. Et je vous dis à demain, je vous fais des bisous. Et sortez couvert, aucun rapport. Bonne nuit, jouez bien toute la nuit sans faire de folie. Allez, ciao ciao.